Les relations entre les gens ne sont pas simples. Les relations entre les gens ne sont pas simples parce qu'il faut qu'on rencontre des gens différents. Parce qu'il faut qu'on rencontre des gens différents. Parfois, on sent que c'est un peu difficile de communiquer. Parfois, on sent que c'est un peu difficile de communiquer avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc, aujourd'hui, on parle de quelques méthodes pour nous tous. Donc, aujourd'hui, on parle de quelques méthodes pour nous tous. Comment bien communiquer avec les gens? Comment bien communiquer avec les gens? La vie est comme un drama. La vie est comme un drama. On joue des rôles différents dans des relations différentes. On joue des rôles différents dans des relations différentes. Parce qu'on est très stressé en général, parce qu'on est très stressé en général par le travail et d'autres choses, par le travail et d'autres choses, parfois on est déjà habitué à endurer tout par nous-mêmes. Parfois, on est déjà habitué à endurer tout par nous-mêmes. Parce qu'on espère qu'on peut toujours se montrer, parce qu'on espère qu'on peut toujours se montrer sous notre meilleur jour. Sous notre meilleur jour. Au bout d'un moment, on accumule trop d'émotions négatives. On accumule trop d'émotions négatives. C'est franchement mauvais pour la santé. C'est franchement mauvais pour la santé. À cause de tout ça, de cette mauvaise énergie, à cause de tout ça, de cette mauvaise énergie, on ne peut pas communiquer avec les gens normalement. On ne peut pas communiquer avec les gens normalement. On se sent fatigué socialement. On se sent fatigué socialement. À ce moment-là, si on ne fait rien, simplement rien, si on ne fait rien, simplement rien, pour libérer ces émotions négatives, pour libérer ces émotions négatives, alors les choses vont empirer, encore et encore. Alors les choses vont empirer, encore et encore. En fait, des fois, on a besoin de parler de quelque chose. En fait, des fois, on a besoin de parler de quelque chose avec nos amis, notre famille et les gens de qui on est proche. Avec nos amis, notre famille et les gens de qui on est proche. Même si tous les gens sont des mondes complexes, même si tous les gens sont des mondes complexes, ils peuvent parfois bien se comprendre. Ils peuvent parfois bien se comprendre, on n'a pas besoin de trop s'inquiéter. On n'a pas besoin de trop s'inquiéter parce que c'est le rôle que les amis, parce que c'est le rôle que les amis et la famille jouent dans la vie. Et la famille joue dans la vie. En fait, si on parle avec les gens, alors les choses peuvent changer drastiquement. Alors, les choses peuvent changer drastiquement. Peut-être que ça ira mieux. Peut-être que ça ira mieux et tu pourras être plus motivé pour agir. Et tu pourras être plus motivé pour agir. Donc, si tu te sens pas bien parfois, parle juste avec tes amis et partage tes idées avec eux. Parle juste avec tes amis et partage tes idées avec eux. Et après ça, tout va bien. Et après ça, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens pas bien? Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires. Et je crée du contenu payant sur Patreon. Et je crée du contenu payant sur Patreon. Si vous voulez m'aider, c'est le bon endroit. Si vous voulez m'aider, c'est le bon endroit. Sur ce,
À très bientôt. Sur ce, à très bientôt.